I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Salut les amis, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, enfin, vous l'avez vu au titre à la miniature, on revient. Les vidéos, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo les amis. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de spécial, j'avais juste pas le temps de faire des vidéos. Et pas l'envie aussi, parce que franchement, vous allez voir, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Mais c'est assez dramatique si je puis dire. En tout cas les amis, aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000. On va vous présenter ma nouvelle moto. Soyez indulgents les amis, je vais tout vous raconter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous attends en commentaire. Vous allez voir que je vais avoir besoin de vous pour cette moto et pour cette vidéo. Ça a conclu une nouvelle année. Dites-vous que ça fait un an que j'ai cette moto et que je voulais pas présenter. Je me suis dit c'est pas grave, je vais tout leur expliquer, ils vont pas m'en vouloir. Je vous la présente, vraiment, je compte sur vous pour les commentaires. Alors, vous bombardez les commentaires, on va vraiment échanger. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, je pense qu'on va y aller directement. Peut-être vos petits pronostics les amis. Bon, même si vous l'avez vu au titre à la miniature, mais dites-moi ce que vous en pensez au niveau budget, tout ça. Je vais tout vous détailler, on va tout, je vais être transparent avec vous, je vais tout vous dire. Du coup, je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu dans les commentaires et vraiment donnez-moi votre avis le plus sincère, même si c'est dégueulasse, c'est une moto que vous aimez pas, bah j'attends votre avis. Et puis je pense que là y a rien d'autre que vous présenter. Je pense que tu peux carrément venir là les amis, ma nouvelle moto pour cette année, permis à deux, permis gros cube. J'ai eu mon permis. Du coup, pour vous retracer un peu tout l'historique avant de vous la montrer, cette moto, je l'ai achetée il y a un an pile, donc vers décembre 2023. Là, on va être en... Enfin, décembre 2022, pardon. Là, ça va faire un an que j'ai cette moto. J'ai eu le permis en cet été. Alors, c'était une galère. J'ai eu des délais de ouf pour passer le permis. Vraiment, quand je vous dis des délais de ouf, c'était super long. Donc, je l'ai eu en une fois. Vous l'avez vu, il y avait les vidéos du plateau, il y avait les vidéos de l'examen. J'essaie de vous faire un petit condensé. Vraiment, j'étais focus pour vous la sortir le plus rapidement possible. Mais il m'est arrivé quelques péripéties. Donc, je vais vous la présenter. Vous la débâcher. Je pense qu'avec mon accoutrement, vous savez déjà ce que c'est. On se dit qu'à 5000 pouces bleus, les amis, on envoie le premier motovlog directement. Il est déjà prêt. Je vous bombarde la sauce. J'ai déjà fait quelques modifs depuis que je l'ai. Je pense que je peux vous montrer tout ça et puis on va détailler la bête. C'est parti, on y va. Les amis, est-ce que comme en concession, si on tire sur la bâche, ça présente le bolide? Attention. MT07 2022, neuve. Jamais sucé, sortie de concession. Que dire de plus les amis, venez, on va faire le tour du propriétaire. Bon, je pense que la plupart d'entre vous... Ah merde, attendez, parce que du coup comme j'ai voulu... Ah bah je l'ai... Bon, vous inquiétez pas, ça fait un an que je l'ai, il m'est arrivé quelques péripéties. Le clignotant, je l'avais déjà ressorti. Bref, on le remettra plus tard. Bon, moto neuve, mais bon, les clignotants, je te dis, hein. Petite anecdote, le jour où je suis allé la chercher, on me l'a livré qu'un clignotant qui tenait pas. Bon, ça fait pas très professionnel, mais bon, on y passera. Tour du propriétaire, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter du coup la phase 2022? Phase 2022 les amis, je pense que vous connaissez déjà tous. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, les commentaires sont là pour ça. Vous allez tout pouvoir me détailler et me dire ce que vous en pensez. Ceux qui avaient déjà deviné, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va faire une petite description du véhicule parce qu'il a déjà été modifié. Carto, stage, tout ce que tu veux, je vais tout vous dire. Je pense déjà, niveau esthétique, viens on fait un petit tour. Vous allez voir que j'ai mis déjà quelques options de base qu'il y avait au catalogue. Donc à savoir que quand je suis allé la chercher, bah comme toute moto neuve ou quoi que ce soit, bah t'as une fiche. Le vendeur, le commercial te dit bah qu'est-ce que tu veux. Voilà, tu négocies, tu t'arranges. Dédicace à Max et Seclin les amis, de Don Kerriam. Merci pour le véhicule. Et donc, j'ai mis quelques options. Donc si je me souviens bien, déjà on a le support de plaque. Bon, vous pouvez filmer la plaque, hein, je m'en fous, il n'y a aucun secret avec ça. D'ailleurs, j'ai une jolie plaque, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la kiffe, on représente le département. Mais du coup, au niveau des options, support de plaque court, avec les clignotants LED, tout ce que tu veux. Là, le feu arrière, il est fumé d'origine. Ça franchement, c'est super joli. Vous allez voir que quand je vais l'allumer tout à l'heure, la démarrer, il y a une signature lumineuse, franchement, qui est pas mal. Ensuite, on a les pads, si on se met de ce côté, donc les pads de réservoir. Donc vous allez voir que de base vous n'auriez pas dû les voir. Enfin de base vous n'auriez pas dû voir la moto dans cette configuration là. Mais ça je vais vous le détailler juste après. Pour continuer, on a les protèges carter. Ça vraiment, si vous pensez acheter une MT07, faites moi confiance, allez-y. Ça ajoute un style à la moto, c'est incroyable. Franchement là vous pouvez me faire confiance, protège carter, mettez-le parce que franchement vous allez kiffer. Niveau poste de pilotage, bon la classique, les petits rétro en bout de guidon frérot modulables qui tiennent plus. Donc ça, une classique. Merci à mon sponsor Quadlock les amis. On a équipé la moto full quadlock, donc en système anti-choc, en système de chargement, tout ce que vous voulez. Ah ouais, d'ailleurs, lui, il est vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi, il a toujours tenu en un an et là, je pense dans le camion, on l'a trop massacré. Bon, j'espère qu'il faut que le resserrer, mais en tout cas, elle était jolie de base, triste.
Bref, tu peux venir voir devant du coup, avant que je vous présente ce qui fait le plus de bruit. Ligne, enfin ligne, qu'est-ce que je raconte? Protège radiateur personnalisé les amis. Alors c'est un, ça vient de l'étranger, c'est un entrepreneur qui a sa boîte qui m'a fait ça. Je vous mets tous les liens en description. Il y a un petit code promo, je vous le mets à l'écran. Je le remercie énormément, je sais pas le remercier en quelle langue. Il me semble que c'est un espagnol du coup. Muchas gracias my friend for this protection de radiateur. Les amis, je vous parle une petite minute du sponsor de cette vidéo, les amis Car Vertical. Je les remercie énormément, ils ont contribué à l'achat de cette nouvelle moto. Les amis Car Vertical, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça vous permet tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, de vérifier un véhicule de A à Z, kilométrage, vol, photo, chronologie du véhicule. Comparé à Istovec, les amis Car Vertical travaillent dans le monde entier. Donc si votre véhicule est importé de Dubaï, Marseille, tout ce que vous voulez, la France entière, vous allez le voir directement. Vous avez tout simplement besoin du numéro de châssis ou de la plaque d'immatriculation. Vous allez sur Car Vertical, vous la rentrez et ça vous génère un rapport comme vous l'avez juste ici. Donc vous pouvez avoir toutes les informations. Sachez que si votre rapport n'est pas complet les amis, vous pouvez demander un remboursement. Donc satisfait ou remboursé. Donc si vous avez un doute sur un véhicule, que ce soit moto ou voiture, vous le prenez. Si le résultat n'est pas bon, si vous n'avez pas d'informations sur le véhicule, vous êtes remboursé. Donc faites-le dans le doute. Vous avez moins 20% avec mon code de réduction Léonade les amis. Et franchement ça peut vous sauver de l'achat ou même de la vente d'un véhicule. Vous pouvez la fournir à votre potentiel acheteur. Et c'est un gage de confiance. Je vous mets toutes les infos en description. Le code promo à l'écran. Et les amis, on repart la vidéo, c'est parti. Et donc franchement c'est sympa de déjà, si vous ne pensez pas en mettre une perso, mettez-la au catalogue en origine. La protection radiateur c'est vraiment primordial. Moi j'ai roulé quoi 2 semaines sans, j'ai eu un petit caillou qui m'a fait un petit radiateur quand même. Ensuite du coup on retrouve tout ce que je t'ai dit, protège, carter, tout ce que tu veux. Et les amis, la petite ligne, je vous laisse deviner la marque en commentaire. Donc à vous de découvrir la marque en commentaire, même si elle est marquée dessus, mais il y a une petite subtilité. Donc avant que je vous fasse écouter le bruit les amis, voilà, n'hésitez pas à essayer de deviner le prix que je l'ai payé. Je vous propose les amis que celui qui a à l'euro près, on va dire à 20-25 euros près, et je lui fais un petit cadeau les amis, une petite paire de gants, ça part chez lui, il me dit sa taille, sa couleur, je lui enverrai. Donc voilà, je vous fais un petit topo au niveau des pièces, tout ça, n'hésitez pas. Dans les commentaires, celui qui devine le prix que je l'ai payé, il y a une petite paire de gants. Donc moi ce que je kiffe avec cette moto, c'est quand tu la regardes, trois quarts face, tout ce que tu veux, plusieurs prises de vue, t'as une moto qui est quand même agressive. Sur les dernières phases, vous pouvez rien dire, elle est magnifique. Après ça reste une MT, j'ai pas de selle confort pour l'instant, ni de selle perso, parce que quand j'ai vu le prix au catalogue, pour ceux qui détiennent une MT7, vous allez me dire, mais c'est une folie. Après ça reste une 07 classique. En option, j'ai failli oublier levier noir, je sais plus du tout si c'est une option. Comme je vous dis, je l'ai acheté il y a un an, donc je sais plus du tout. En tout cas, si c'est une option, sachez que je l'ai mise parce que je les aime pas. D'ailleurs, il n'y a pas l'option d'avoir le guidon en noir. Du coup, j'ai un guidon gris, c'est dégueulasse, je déteste ça. Une option que j'ai oublié de vous dire, poignée chauffante, les amis. Donc, ça fonctionne comme ça. Tu cliques, voilà, tu cliques, poignée chauffante. T'as 3 modes de chauffe. Je vais pas le laisser. Attendez. Parce que là, il n'y a rien qui va, il commence à clignoter. Ok, c'est bon, il s'est éteint. Poignée chauffante, dans la région, c'est ce qu'il faut, une poignée chauffante, il n'y a rien de mieux. Donc, du coup, les deux poignées chauffantes. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On a combien de temps? 7 minutes. Je vous propose de la démarrer, les amis, parce que franchement, le bruit, il est plutôt caliente. Je pense que tu peux te mettre là, et je vous fais le petit démarrage, les amis. Signature lumineuse, vous allez aussi voir le feu arrière, parce que c'est une dinguerie. Et après on vous montre l'avant parce que l'avant il y a aussi polémique là-dessus. Et le compteur aussi qui a changé. Mais ça on va vous le montrer avant, c'est pas les dernières phases avec les vieux iPads. Donc au niveau du démarrage, une simple pression. Regardez le compteur, regardez, je vous la refais. Compteur noir, ça c'est une dinguerie d'avoir le compteur noir. Donc t'as le contour juste au-dessus qui va jusqu'à 12 000, donc rupteur ici, vous vous en doutez bien. La jauge de carburant, la température moteur, après t'as... la consommation, je sais même plus, le dernier trip, les kilomètres qu'elle a, elle a 3000 km. Je vous dis en un an les amis, pour ceux qui roulent un peu en bécane, 3000 km c'est rien. Après on a la température extérieure et la température moteur. Au niveau du réservoir, on est sur un réservoir, je ne saurais pas du tout vous dire, 7 litres, 10 litres, 12 litres. À la pompe, tu y vas tous les deux jours. C'est véridique, tu y vas tous les deux jours. Et voilà. Sinon, au niveau de la clé, c'est vrai qu'avant de démarrer, parce que vous voulez voir tous le petit bruit, double des clés, putain, ma clé elle est dégueulasse, gagne. Regardez les amis, ma clé elle est dégueulasse, on dirait qu'elle a mietté dans un bal trou à Paqueta et hop, une petite clé de MT7. Voilà, avec le petit anti-vol, je vous le montrerai, je vous le montrerai pas. Il est caché sous la selle, ainsi que le traceur, elle est tracée, donc n'essayez même pas de la voler. Elle est pas tracée du tout, rien à foutre. Après, je pourrais vous parler du prix, de l'assurance, tout ça, mais ça je pense qu'on y fera des vidéos dédiées. Ce que vous voulez, je pense, c'est un démarrage à froid et un rupteur direct. Non, on va pas faire le con. Vas-y, écoute le bruit majestueux du... Je sais pas, c'est un 2 cylindres. Attends. Ouais, c'est un 2 cylindres. Non, un bi. Bah oui, bi, 2.
voulez que je me mette avec le micro à côté de la ligne? Et du coup, au niveau de l'avant, vous avez signature lumineuse. Ça, franchement, il éclaire de ouf. Et regardez, le petit appel de phare, le plein phare. Voilà, le plein phare. Appel de phare, vraiment, c'est une dinguerie. Ça marche de ouf. Quand je vous dis qu'en extérieur, enfin en extérieur sur autoroute ou quoi, vraiment, d'avoir cet avant-là, du coup, les nouvelles phases à partir, du coup, c'est la troisième phase. Bah, d'avoir ces phases-là, vraiment, vous allez mieux vous faire voir sur la route, c'est une dinguerie. Et au niveau de la gueule, franchement, je pense qu'à force de l'avoir, vous allez kiffer. Regardez le missile, regardez le monstre. Au niveau de la couleur, tout ça, je vous expliquerai plus en détail, mais... Je pense que tu peux venir à l'arrière. Écoutez-moi ça, les amis. Là, le caméraman, il a plus d'oreilles, moi, je peux vous le dire. On ira rouler, vous inquiétez pas. Il y a encore la chicane, là. Le contour, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ne regardez pas, elle est pas froide, vous inquiétez pas. Le bruit dégueulasse, c'est ça, hein, les amis. Regarde le rétro. Ça me dégoûte, frère. La moto, ça fait un an que je l'ai, elle a jamais eu de soucis. Là, on la sort, il y a un rétro qui pète. Bah, et ça fait vachement du bruit. Hein. Il y a encore la chicane, les amis. Si jamais, peut-être que si vous me chauffez, on l'enlèvera. Mais en tout cas, voilà. MT7 2022. Que dire de plus? Bah, écoutez, comme c'est ma première moto en gros cube, je peux pas trop vous dire si c'est bien au niveau châssis, tout ça. J'en ai pas testé d'autres. En tout cas, niveau pêche, je peux vous assurer, ça lève tous les rapports. On perd un cheval et demi, il me semble, comparé aux autres faces. Tu le sens pas. J'ai roulé sur les deux, tu le sens pas. Elle est pas bridée, donc. Enfin, si, elle est bridée, mais bridée full. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau de la poignée, t'as pas de bridage. Tu mets gaz en grand, et bah, ça va accélérer. Ça marche plutôt bien. Vitesse autobahn, bah, on fera le test en vidéo. Moi, y a aucun souci avec ça. Je vais pas flouter mon compteur, je roule pas comme un débile, mais je sais utiliser la mécanique. Autobahn 200, voilà, y a pas de... C'est entre 180 et 200, tu peux y passer 3 jours, faire une construction d'AF4 et puis avoir 2 enfants, mais sinon 200. Puis voilà, un roulable sur autoroute, mais ça, on le verra dans les vidéos où je vais vous détailler la présentation au complet. Voilà, je tenais quand même, les amis, à m'excuser parce que ça fait un an que je vous la présente, mais je suis pas un menteur en vous disant que cette moto-là a été achetée il y a 2 semaines. Je l'ai vraiment achetée il y a 1 an. De base, vous n'auriez pas dû la voir bleue, vous n'auriez pas du tout la voir comme ça, pardon. Mais voilà, à un moment, je pouvais plus me permettre de la garder, même pour moi financièrement. Alors, je dis pas que je vais la vendre, mais je dis juste qu'il faut faire des vidéos, quoi. Donc, je vous la présente, ça fait longtemps que vous me la demandez. On a fait quasiment, depuis que j'ai offert la 50, on a fait quasiment 6 mois de battement où je présentais des motos, où c'était plus mes motos perso, où j'avais quelques motos perso que j'ai toujours d'ailleurs, donc je pense aux 65, je pense aux 150. Mais voilà, pendant longtemps, c'était des motos perso petites. Là, je vous ai fait la surprise pour revenir pour cette année, de revenir avec des nouvelles motos. Je parle au pluriel, les aguerris et les bons visionnaires arriveront à comprendre pourquoi je dis ça. En tout cas, les amis, tenez à remercier tous mes sponsors qui ont participé à la concrétisation de ces projets. Alors, pour certains, c'est une MT7 classique, mais n'oubliez pas qu'elle est neuve et qu'elle est sortie de concession. Donc, je suis pas allé sur le bon coin et je l'ai pas payé 5000 euros. Donc, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle écrase toutes vos motos du marché. Donc, peut-être qu'en disant ça, je vais me faire insulter, mais ramenez-moi d'autres bécanes. Je pourrais pas vous dire, mais je suis au courant que certains ont passé le cap de venir chez Yam avec d'autres collègues youtubeurs. Je vous dirai pas ce qu'ils ont acheté, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez ramener n'importe quelle moto, on peut faire des comparatifs, tout ce que vous voulez, niveau tarif, prix assurance, prix consommation, prix tout court et plaisir conduite. Voilà, donc rapport qualité-prix, vous pouvez me sortir toutes les motos du marché. C'est pas pour rien qu'elle est meilleure top vente depuis genre 5 ans ou 6 ans, je sais plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai pas laissé d'origine quand même, je suis pas non plus un gogol. Les amis, je vous propose de partir, de faire un petit aller, un petit retour pour que vous écoutez le bruit. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller directement en description, regarder tous les liens. On se retrouve en commentaire. Me donner votre avis et venir sur mon Instagram. Cette année risque d'être chamboule tout, mais prometteuse. Moi, je ne dis rien de plus. Je vais avec la moto. Et de toute manière, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Et vous inquiétez pas, je vais m'approprier le sujet de la MT7 comme je l'ai fait pendant 2 ans avec la Derby, avec la 50. Vous avez tout su sur la 50, tous les prix, les assurance, tout ce que vous voulez. Je vous fais la même chose pour le gros cube. Donc vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. Je mets le casque et on s'en va. Bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine, on va reprendre un rythme assez cohérent. Salut les mecs, ciao. C'est bon les amis, je vais vous faire le plaisir d'aller faire une petite ligne droite. Un petit aller-retour, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé pour vous dire. Thank you.
fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man.